Hey, bonjour à tous et bienvenue pour du City Skyline! Oh, tiens, il y a les pompiers qui arrivent. De quel sens? Ils arrivent par où? Je ne sais pas du tout. Ah bah, ils sont partis là-bas. Ça clignote. D'accord, c'est les flics. Très bien. Alors, il s'est passé un petit problème concernant les deux vidéos que j'avais fait juste avant. C'est tout simplement, c'est que j'ai refait une partie de toutes les routes correctement. J'ai fait une déviation propre. J'ai enlevé ici parce que ça créait des bouchons à cause de justement du fait que j'ai pas comment pu des comment pas décrocher mais comment c'est le nom Ah, je m'en rappelle plus. La parcelle, voilà, le mot parcelle, je l'ai oublié. J'ai pas pu l'enlever pour l'instant. Il faut que j'atteigne, je crois, c'est au-dessus 30 000 habitants. Pour que j'enlève ceci et refaire un carrefour correctement. Du coup, de mon côté, j'ai fait une déviation par là, qui amène vers l'autoroute directement. Le petit quartier tranquillement ici, qui a déjà des problèmes de. Comment? D'employés. Faut que je fasse de la densité. Donc du coup il y a tout ceci. Ici il y a un petit carrefour qui amène vers une route principale, naturellement, qui a un accès direct à sens unique d'un côté et pareil de l'autre, qui permet justement de fluidifier la circulation complètement. Donc ça c'est un bon point. Et puis là c'est le quartier un petit peu des affaires et des résidences. Voilà, donc on va dire que tout ça est correct. Cependant, il y a quand même un petit peu de problème au niveau de circulation, comme on peut le voir un petit peu ici, quoique ça a l'air d'être assez fluide. Ouais, ça va, c'est assez fluide quand même. Il y a pire. En tout cas, c'est assez fluide. On peut le voir ici. Oula, putain. Oula. Ça merde un tout petit peu, hein, mais vraiment un peu. Oui, bon, en même temps, ici, ça amène en fait toute la ville. Hein. Ici, c'est vraiment toute la ville. Donc, il n'y a pas trop le problème ici. Est-ce que je peux avoir un accès plutôt ici? Non, c'est pas ici que je voulais. Ouais, ça vient un peu de partout, mais ça va, c'est plutôt correct. Ici. Ouais, en plus là c'est encore merdé. Ici bah forcément ça vient de partout. Ah, quoique ça va plutôt sympa ici. Là. Oh ça va. Bon ok, très bien. Non, c'était pas ça que je voulais faire, c'était enlever le truc. Voilà, c'est parfait. Du coup, j'ai mis un centre solaire ici. Parce que ça produit déjà pas mal en énergie. Comme vous pouvez le voir, je suis même en excédent de 180. J'ai enlevé un petit point ici. Toi, t'es quoi? Ah, c'est quoi comme structure? Non. Non. Antenne des pompiers. Ah, d'accord. Ah, bah, je te démolis, moi, tu as rien à foutre. Là, ça manque pas mal d'employés. Alors, j'ai suivi aussi vos conseils concernant les problèmes de. Alors, de mort, oui, bah ça, on s'en fout un peu. Mais les problèmes de poubelle, en fait. Les problèmes de poubelle, vous m'avez demandé de remettre des industries, en fait, qui permettent justement de brûler tout ça. Donc, du coup, je vais en mettre plusieurs. Voilà. Ça, c'est quoi? C'est. Vêtements et compagnie. Donc du coup j'en mets deux. Niveau de comment du salaire, ça baisse un petit peu, mais c'est tout à fait normal. C'est juste que je veux justement que ça ça puisse évacuer toutes les déchets qu'il y a dans la ville. Et le problème supplémentaire qu'il y a naturellement, c'est les morts. En fait, il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu HS et je voudrais bien un petit peu en fait leur donner un petit coup de main. Voilà. C'est des morts, hein. Donc c'est bien ce que je pensais en fait. C'est des morts. Voilà. Normalement, ils doivent être contents.
Bon, il y a pas mal de morts. Un mort attend d'être transporté. Ouais, patati patata. Et je vais mettre carrément un cryotherium. Voilà, cryotherium, oui. Un crématorium plutôt. Cryotherium, c'est un bout de papier. Crayon de papier. Pour ça. Niveau des déchets, bah justement, ça commence à descendre. Je vais quand même vérifier que ça descend bien. Oui, effectivement, ça descend plutôt pas mal. Niveau d'utilisation des décharges, 66%. Stock de décharge 58 000, capacité de décharge 88 millions. Ah ouais, quand même. Production de déchets, ouais, capacité des incinérateurs. Je suis encore un petit peu en faible hein, au niveau de l'incinération. Il va falloir que je bouge tout ça. Cependant, est-ce que je rajoute justement ce qu'il faut pour brûler? Je dirais bien que oui, en fait. Donc, hop, je vais rajouter ça. Comme ça, ça va peut-être justement enlever tous les problèmes. Ah oui, en plus, ça passe par ici, ça retourne par là et ça fait par là. Faudrait que je mette un petit accès, un petit pont, en fait. Un petit pont, rien que pour les, comment, les industries, là. Faudrait que je fasse un petit pont correct. Alors, les châteaux d'eau, c'est bien beau, mais ça me fait un peu chier. Voilà. Donc, au niveau des eaux, bah, ça passe toujours aussi bien, hein, c'est pas ça le problème. Voilà. C'est que je vais mettre, en fait, un tout petit pont qui me permettra, justement, de pouvoir être tranquille au niveau de l'incinération. Cependant, il faudrait que je fasse en sorte que... je vais peut-être mettre en 3 voies en fait. Je vais essayer un truc. Ouais, ça marche pas. Hein. Comment on monte déjà? Je me rappelle plus. Ça doit être plus. Non, pas plus. C'est. Non, non plus. N. Non. Merde. C'est quoi les touches? Je me rappelle plus. Gameplay dans le jeu. Je voudrais augmenter. Désolé, info. Non, 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 bah non. Partager, construction élevée, R et F. Ah oui, d'accord. R et F. Ok, très bien. R et F. Ah, je vais prendre du coup une ville. Un truc plus petit. Hop. Alors, R, ah oui, effectivement, ça va nettement mieux. R et F. Tac. Tac. R et F. Voilà. Je vais l'allonger jusque-là. Et faire un accès direct. Et un accès direct. Voilà. Normalement, voilà, il y a les camions, en fait, qui prennent pas du tout le chemin. Mais absolument pas du tout le chemin en fait. Attends, c'était quoi toi? Camion de hot dog. Non, c'est pas les camions de hot dog que je veux, c'est les camions de déchets moi. Je veux qu'ils prennent en fait l'accès quasiment le plus direct en fait. Ouais, c'est pas du tout direct en même temps, c'est pas trop faux ça. Donc. Ouais, c'est ça, ils font le tour, c'est con. Ah, faites chier les gens. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi? Camion de poubelle. Ah, finalement, je pense que ça marche. Je vais quand même vérifier au long terme si ça fonctionne bien. Si ça fonctionne bien, je suis content. Ça crée, certes, un petit feu ici, mais on va dire que la fluidité est quand même assez importante. Donc, ça va. Mais les camions de poubelle, effectivement, ils prennent le relais ici. C'est plutôt un bon point, ça crée des feux, ça crée quelques petits embouteillages, mais on va dire que c'est quand même pas trop grave par rapport à la fluidité de la route. Voilà. Voilà, comme ça, il y a toujours le... Comment ? Il y a toujours ce qu'il faut. Il faudrait peut-être que j'augmente un tout petit peu la route. Je ne suis pas vraiment sûr, mais je devrais peut-être l'augmenter. Par contre, si je le fais, ça risque de faire mal. Pas trop incliné.
pente trop inclinée. Ouais. Là, il va faire en sorte qu'il n'y ait plus d'énergie. Donc, on va faire ça. On va faire un accès en fait plus direct à la zone d'énergie. Voilà. Donc du coup ça je peux délaisser. Voilà, je peux délaisser, ça c'est bon, c'est dans l'énergie, c'est dans l'énergie. C'est parfait. Et puis ça, bah du coup je peux le délaisser aussi. C'est plutôt un bon point. Cependant, la route là, je voudrais bien l'augmenter. Au moins celle-là, quoi, que je puisse être tranquille. Donc ça, ça et ça. Pente trop inclinée. L'outil d'amélioration, oui, bah oui, merci, je sais, je suis pas con non plus. Pause, déjà. On va faire en sorte qu'on puisse mettre ce qu'il faut. Pente trop inclinée. Non, elle est pas trop inclinée, elle est bien. Voilà. F. Ouais. Ouais, c'est pas vraiment cool, mais ça fonctionne plus ou moins bien. Donc c'est plutôt important justement que ça soit correctement bien fait. Amélioration du type de voie ici. Impossible. Impossible. Ouais, en fait, c'est pareil. Hein. Voilà. Hop. On va dire que c'est plutôt sympa. Bon, ça fait un petit détour ici assez dégueulasse. Je vais peut-être justement rendre ça plus beau. Parce que je préfère quand même. Non, peut-être pas comme ça. Oula. Ah oui, peut-être en fait il y a une... Ouais, il y a ça en fait. Il y a un petit dodane ici qui ne va pas correctement avec la route. Non. Ah, j'ai un peu du mal. Voilà. F. Voilà. Ah bah c'est nettement plus propre. D'accord, il monte carrément sur le truc. Donc voilà, bon c'est pas très symétrique. Ouzef, on a un peu rien à faire. Mais on va dire que c'est plus direct, au moins pour les camions de pompiers. Donc du coup ils peuvent aller chercher ce qu'ils veulent. Le problème étant que maintenant, bah il y a en fait... C'est quoi ça? Les habitants sont malades. Bah j'y peux rien les gens. C'est pas un problème d'eau des fois? Non, disponibilité de l'eau, par contre, elle commence à être juste. Va falloir que j'augmente encore l'accès aux eaux. Peut-être augmenter plus, en fait, l'économie des eaux. Budget au niveau de l'eau. Ah oui, je suis même pas à 100% en fait. Voilà. Donc, normalement, au niveau de l'eau maintenant. Ouais, j'ai en plus grande capacité. Donc, c'est plutôt sympa. Cependant, comme ils sont malades, 4 sur 4 ménages. Ok. Il va falloir que je leur... Ah oui, par contre, ils sont vraiment dans le rouge. Je peux pas leur mettre un truc de plus, quand même. Normalement, ils doivent être contents. Cependant, ils sont pas contents du tout. C'est ça, le problème. Soins funéraires. Mais... Mais le funéraire, il y a ce qu'il faut pourtant, je sais pas pourquoi. Information connexion sortante. Ouais. Capacité de soins, je suis à 1500. Mais il y a que le quartier là en fait qui sont moyennement morts, on va dire. Ceux là-bas, ils sont contents. Bah là-bas, c'est le truc de pétrole, on s'en fout un peu. Mais c'est ici en fait, ils sont pas très contents. Niveau du vent, il est comment le vent? En plus, on pleut. Même pas savoir le sens du vent. Pollution. Bah, elle est plutôt moins correcte d'un coup ici. On va le vider. On va vider ce truc là.
Il y a beaucoup de morts, hein, pourtant. Voilà, mort vient d'être déplacé. Les bâtiments, les habitants sont malades. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, les gens? J'y peux rien, moi. Peut-être que j'augmente le truc des soins. Ouais, 110%. 110%, ça devrait le faire, hein. Une meilleure autonomie de tout le monde, c'est bien. Bâtiment est en feu, bah ça va aller vite. C'est pas trop un problème. En tout cas, le quartier, il est super beau. Il est quand même beau, il est classe. Dommage que dans le jeu, il n'y a pas de cycle jour-nuit, parce que ça pourrait rendre super beau. Oui, effectivement, il y a pas mal de gens qui manquent, en fait, hein. Manque d'employés, d'employés, d'employés. Ouais, bah oui, mais... plus d'espace. Eh bah tu le vides et tu le vides. Voilà. Comme ça c'est fait. Ici c'est quoi? C'est des résidents. On va voir s'ils sont corrects ici. Je vais peut-être leur mettre une petite clinique pour leur faire plaisir. Ou un hôpital carrément. Normalement ils doivent être contents. Ouais, ils sont contents. Ah, ça, en tout cas, on entend ding 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 ding, donc c'est plutôt un bon point. Ça leur permet justement qu'ils se bougent. Il y a une petite caserne là-bas. Je vais peut-être remettre une petite caserne ici. Tac, voilà. Ah, déjà, ils sont plus contents. Donc, bah, plus dans le sens meilleur. Donc, c'est nettement mieux. Donc, c'est plutôt un bon point. Donc, ça, c'est parfait. Niveau de la police, il n'y a rien à faire en fait. En fait, il y a ça. C'est quoi là-bas? Ouais, commissariat de police. En fait, des flics là, il y en a deux pour toute la ville et ça suffit largement. Je suis à 10 pour 9% de taux de criminalité, mais ça, c'est pas non plus excessif. Au niveau de l'éducation, ils sont plutôt dans la merde, hein. On va leur mettre ça. Ah, ça fait qu'un petit truc. Voilà. Normalement, ils doivent être contents. Au niveau du transport, c'est pas fameux, mais ça marche bien. Au niveau des parcs, oula, ils sont un peu dans la merde par contre. Au niveau des parcs, je vais vous mettre un gros parc. Désolé. Ah, ils ont déjà une meilleure tronche. Je vais leur mettre ça. Ils ont l'air super contents quand même. Bon, ça quand même, ça craint quand même un peu, hein. Bon, en tout cas, ça bouge, c'est plutôt un bon point. Espace occupé. Espace occupé, déjà occupé, occupé, occupé. Ah ouais, d'accord, c'est quand même pas un petit truc. Voilà. Ah, bizarrement, ils sont dans le bleu. Bah, ça commence à être dans le bleu, donc ça va. Bah, ça va, plus ou moins. On est quand même à 476 000 dollars. C'est déjà pas mal. Les habitants sont malades, ouais. On va peut-être commencer un petit peu à construire plus d'espace. Bah, tu te vides, hein. Tu commences à te vider, hein, on a les incinérations. Il va falloir un petit peu faire ce qu'il faut au niveau des trains marchandises. Ça pourrait être sympa. Comme ici, en fait, nous avons un terminal de marchandises. Ça serait bien justement qu'on puisse en avoir un autre ailleurs. Peut-être pas forcément marchandises. Parce que, ouais, quand même, ça fait un bout, hein. Pour ceux qui sont là, qui vont aller là-bas, ça fait quand même un bout. Faudrait mettre une genre de petite gare par ici, ça pourrait être sympa. Plutôt sur une grande avenue, comme celle-ci, en fait, elle est sympa celle-là. Faire une gare plutôt, ouais, plutôt sympa. Alors attendez, je vais regarder un petit truc au niveau de l'énergie. C'est bon, je peux enlever. Je peux enlever ça. Transport, métro, gare ferroviaire. 945, la gare me permet aux touristes de voyager depuis vers la ville, placer les gares connectées au rail maintenant à l'extérieur pour permettre au rail d'aller et venir automatiquement. Oui, bah oui, logique.
construisez un terminal de marchandises pour permettre aux trains de transporter des marchandises et matières premières. Les trains de marchandises fonctionnent dans la ville ou aux autres connexions sortantes. Construisez des gares et connectez les voies. Patati patata. Ouais, ok. Par contre, pollution sonore est assez puissante. Ouais, ça va. Ça risque de leur faire un petit peu le coucou. Bonjour, j'ai un problème. Hop. Ouais, ça pourrait aller là, sauf que eux, ils vont être assez gênés. Faudrait que j'arrive à évacuer ça un petit peu loin. Ça serait bien que j'arrive à accéder là. Est-ce que lui il se vide? Ouais, bâtiment se vide, ouais. Faudrait bien qu'il se vide un petit peu plus rapidement quand même. Je vais mettre une route. Voilà. Alors, pourquoi je mets ça? C'est tout simplement pour... Voilà. Ah oui, non, ça va pas, ça. C'est une 3 voies qu'il faut. Voilà, c'est une 3 voies. Directement. On avait dit transport et gare ferroviaire. Déjà, là, c'est mieux. Au moins, pour eux, c'est déjà mieux. Tac. Donc là, ils sont plutôt contents. Ah oui, forcément, il faut de l'eau. Il faut de l'eau. Je vais t'en mettre à partir de là. Là, je suppose qu'il te faut... Ah non, pas d'électricité, parce que ça va très bien. On va continuer la route. Pourquoi? Parce que je vais mettre un train de marchandises. Hop. Une connexion ici. Ah, parfait. Donc vous voyez, il y a une bonne déviation par ici, donc c'est plutôt sympa. Tiens, je vais faire ça. Hop. C'est un peu dégueulasse, mais ça marche bien. Voilà. Et je vais mettre un petit peu en fait de petits commerces ici, ça pourrait être sympa. Pour ceux qui sont plutôt dans le coin. Voilà. Ici, j'en mets pas parce que ça ne servira à rien. Au niveau de l'île de sang, ça va aller. Il va falloir juste que je mette une gare ferroviaire. Ça va créer un peu de bruit, mais OSEF. Voilà, ils vont plutôt être contents d'ailleurs. Surtout ceux-là. Transport. Maintenant, il me faut les rails. Forcément. Oui, ça fait un échange auto de toute façon. Oui, il te faut de l'eau, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, t'as de l'eau. Maintenant, tu peux te pomper comme tu veux. Je vais rajouter ceci ici. Quand même, pour avoir un accès, quand même. Voilà, disponibilité de l'eau, on est correct. On est même plus que bien. Il va falloir qu'on connecte le rail là. Donc, le rail là, transport, ici. Là, ça va jouer un petit peu, par contre. Tac. Voilà. Ligne droite. 9000. Voilà. Déjà, c'est déjà nettement plus beau. Un accès direct. Et puis là, bah, accès direct oblige dans le sens qu'il faut. Venir par là. Voilà, déjà c'est un accès plus direct. Et je voudrais bien en fait que ça fasse le tour et que ça puisse repartir par là-bas. Voilà. Un accès direct. Et ici je voudrais bien en fait que ça tourne. Voilà, c'est très l'angle droit en fait ici. Et ça a l'air de plutôt bien passer. Donc là au niveau de ça, passagers il n'y en a pas pour l'instant. Tout simplement normal. Et là, bah ça va aller tranquillement. Ouais, il y a des trains. Je suis un petit peu en déficit, mais ça va pas tarder à y aller. Donc, vous voyez les trains, hop, ils passent par là-bas et ils retournent de l'autre côté. Donc
Hop, ils vont dans les chantiers et normalement ils font tout le tour qui va jusque là-bas, qui reviennent ici, qui en accès là et qui reviennent là. Ah bah c'est bon, ça va, c'est parfait. Hop, on va mettre en vitesse lente en plus. Ah en plus c'est super bien l'animation. Nyaon. En fait, je crois comme il doit repartir dans l'autre sens. Ah non, lui, il part tout droit. C'est super bien, hein. J'aime bien. J'aime bien les trains, de toute façon, moi, je suis un fan de train, en fait. Tout simplement. Ah bah c'est parfait. C'est parfait, parfait. Donc du coup, ça part là-bas. Ça part évidemment hors territoire parce que j'ai toujours pas accès. Ça repart là-bas. Il va falloir que je me fasse en fait un petit détour par ici, qui pourrait être sympa justement pour le train venant de là. En accès direct plutôt. Voilà, en accès plutôt direct. Complètement gouré le mec, mais c'est pas très grave. Donc du coup, lui, il ferait quoi? Terminal de marchandises. Oh, c'est plutôt sympa. On va te suivre, mon petit. On traverse le pont. Yeah. Ah, on a eu un train de marchandises et un train de touristes. C'est plutôt bien. Hop, ça part là. Et ça arrive là. Et normalement, si tout va bien, je dis bien si tout va bien, soit il continue vers... Non, il repart là-bas, c'est parfait. Et normalement, les trains qui viennent d'ici... Oh, il y a déjà 118 personnes. La vache, ça arrive vite, hein. Je voudrais en fait un train, un train, un train, un train, un train, pas de marchandises, je ne veux pas le train de marchandises. Ah, c'est bien, ça s'arrête en plus. Je voudrais en fait un train de passagers, voir s'il y en a un dans le coin. Ça serait sympa d'en avoir un. Ah, ici on a quoi? On a un train de marchandises, de passagers, je veux dire. Il y en a 87 sur ce wagon-là, sur 240. Donc c'est plutôt sympa. Hop. Alors j'espère qu'il va aller là où je veux. S'il va là où je veux, je suis plutôt content. Est-ce que tu prends? Ah non, tu prends pas. D'accord. Tant pis, c'est un choix comme un autre en fait. Débarquement. En tout cas, il repart par là. Donc, c'est plutôt un bon point. Donc, ça veut dire que, en fait, je crois que si par exemple il y a un train de marchandises ici, il y a un autre train passager, alors il va prendre par là et du coup repartir par là-bas. Donc, ça revient au même en fait. Mais en fait, c'est logique. C'est plutôt logique. Ah, j'adore le train-train. Bon, voilà. Bon, bah, j'espère au niveau de ça, ça vous plaît. Y a des bons retours dessus. Je suis super content. Bah, ils sont tous malades. Je sais pas pourquoi. C'est pas très grave. Du coup, je vous laisse. Moi, je vais aller recorder du matériel avec Monsieur Pierre. Du coup, je vous dis à la prochaine. C'était Épée sur City Skyline avec les ambulances de partout parce qu'il y a tellement de morts et de malades. Lol.